Rien, justement. Tu veux devenir prêtre? Pourquoi tu le répètes de cette façon? Comme si c'était insensé, tu veux dire? Tout comme l'idée d'un mec là-haut qui tire les ficelles, mais tu l'as gobé sans sourciller. Si le Seigneur m'a sauvé et pardonné, c'est forcément que je suis là pour une raison. Il faut qu'un psychiatre t'examine. Fais-moi confiance. J'ai essayé de m'en dissuader de toutes les manières du monde, mais la vérité, c'est que je suis parfaitement lucide. T'as pensé à tout ce que ça allait impliquer? Tu pourras plus boire ni te battre, sans oublier le sexe. Tu m'as montré comment faire? Non, je t'ai dit que tu devais patienter. Le vœu de célibat, ça veut dire plus jamais jusqu'à la mort. Il y a plus important que le sexe dans la vie, j'en ai la certitude. La plupart des gens sont au courant. Sauf que pour eux, le plus important dans la vie, c'est leur passion. L'amour de leurs proches ou de leur famille. Là, tu vas droit dans le mur. Non. Je me suis mis à l'épreuve. Si Dieu est prêt à m'accorder son pardon, je dois être prêt à pardonner mon prochain. On m'a fait du mal. Cela, j'ai souhaité qu'il souffre. Mais grâce à l'aide du Tout-Puissant, je leur ai pardonné, tu comprends? Tu crois que parce que t'as plus envie de faire souffrir ton agresseur, t'es assez mûr pour entrer dans les ordres? T'es en plein délire. Tu sais comment on gagne un combat? On débranche son cerveau reptilien et on fait preuve de logique, d'humilité, de discernement. C'est mon combat et je vais le mener. Je vais aider mon prochain. T'as failli rester et t'as trouvé Dieu. C'est une bonne chose, mais... je trouve ça très extrême. Je l'ai pas trouvé, Carmen. Il était là avec moi. J'ai senti la présence de Marie. Ça peut paraître étrange. Elle m'a transformé. J'arrive pas à expliquer. Pour la première fois de ma vie, je voulais plus me battre. Je savais que j'étais à l'abri, que quelqu'un m'aimait. Je me suis couverte de honte devant le Seigneur. Pour que tu nous fasses encore une de tes envolées. Je sais que tu m'en veux. Tu peux me frapper si tu veux. Frappe-moi, je te sentirai mieux. Je veux pas te frapper. Je veux me marier avec toi. Et je croyais que c'était pour ça que tu m'avais fait venir ici. Je peux pas faire ça. Je suis désolé. Carmen! Carmen! Votre fils va commettre une énorme erreur. Vous savez, d'habitude, il prévient personne. Alors, il est en progrès. Grâce à vous, il a arrêté la boxe. Salut, maman. Quelqu'un va me dire ce qui se passe ici. J'attendais de trouver un meilleur moment. Tu vas faire un porno? Non, mon Dieu. Je vais devenir prêtre.